Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est El Roro. Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve avec Minou. Hello les amis. Avec Rio. Rio. Ok. Et on se retrouve pourquoi? Pour un nouveau vlog vidéo. Non, vlog. À chaque fois, je dis la même connerie. Pour un nouveau vlog photographie. Vous voyez, il fait actuellement, il fait beau. Vous voyez, magnifiquement beau. Il fait chaud. Il y a un peu de vent. Il y a un tout petit peu de vent, donc ça va être peut-être chiant pour vous parler, mais on va à Aix-les-Bains. Là où on est déjà allé une fois et il faisait pas beau, vous vous rappelez. C'était dans cette vidéo. Voilà. Donc j'espère qu'aujourd'hui... Oh, sa grand-mère. J'ai mis mes essuie-glaces. Bon, c'est pas grave. J'espère aujourd'hui il fera beau et qu'on va pouvoir faire une super vidéo. A tout de suite à Aix-les-Bains. On est arrivé à Aix-les-Bains, les amis, ça fait plaisir. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent pour vous parce que nous on le sent, mais que vous le son est bien. Et surtout pour l'instant, on est au côté de la route, mais on va bientôt aller à un endroit, ça s'appelle le château de Thomas II. Donc on va voir ce que c'est. Hein. J'ai déjà pas vu le 1. Alors bien, est-ce que c'est le 2? Le souci, les amis, c'est que le site n'est pas accessible aux chiens. Donc vous voyez, elle attend là-bas toute seule, la pauvre. Et moi, j'y vais tout seul pour voir ce que c'est. Let's go! Et ben voilà, on est arrivé sur le site. C'est plutôt chouette. Du coup, elles sont venues, les filles, parce qu'il y avait d'autres chiens, il y avait des gens, donc j'y vais. C'est pas grave. Regarde-moi ça. C'est un bout de château en ruine en fait. J'ai essayé de faire 2-3 photos et puis on verra ce que ça donne. Bon, on a décidé de faire demi-tour parce que vraiment il y avait plein de panneaux, chiens interdits et tout. Et j'avais pas envie d'aller me balader sans ma femme, donc tant pis, on va aller se balader ailleurs, c'est pas grave. C'était pour la visite. Pas la visite du château, mais la visite des observatoires aux oiseaux. Tant pis! Aix-les-Bains, mais en fait on est au Bourget du Lac. C'est pas exactement au même endroit. Bon, pour les touristes, ouais, Aix-les-Bains, le Bourget, c'est pareil. Mais nous, pour non, pas pareil du tout. Bon, un peu relou parce que bah, là où on était avant, interdit aux chiens. On change de spot, encore interdit aux chiens. Donc en fait, de partout, c'est interdit aux chiens. Donc on peut pas se balader tranquille, on peut pas prendre des photos. Un peu relou le Bourget pour ça. Autant Aix-les-Bains même, c'est chouette, on peut prendre le chien partout sur la plage. Mais le Bourget, pas ouf, pas ouf. C'est pas grave, tant pis. On va changer, je sais pas si on rentre ou si on change d'endroit, on verra. On va bien voir. Je vous tiens au courant de toute façon. Bon du coup, on a décidé de ce qu'on allait faire. On va rentrer. Mais c'est pas grave. Parce que demain, on va aller voir Whisky. C'est qui Whisky? Le nouveau petit chien de la famille. C'est ma sœur et son copain qui vont adopter un petit chien, un petit Whisky. Enfin, c'est une chienne, hein? Ouais, c'est une chienne. Une chienne. Donc je vais vous filmer ça demain, un petit bébé de 2 mois et demi, je crois. Ça va être chouette. Et puis nous, là, tranquillement, on va se rentrer, on va se poser devant un petit film, calmement. Pépèrement. D'abord, on va aller acheter. C'est quoi qu'on va acheter? Ah ouais, non, c'est un bon. Pour, c'est pas intéressant en fait. Bon. À demain pour moi. À tout de suite pour vous. Bon, les amis, on se retrouve non pas dimanche, mais bien lundi. Je viens de travailler. Oui, il est 14h. Je vais retourner travailler tout à l'heure ce soir pour faire la garderie du soir. Mais j'avais trop envie de voir ce petit chien, comme je vous l'avais dit bah juste avant pour vous, hein, et moi c'était samedi. J'ai pas pu aller le voir dimanche parce que vu qu'il vient d'arriver dans sa nouvelle famille, on n'a pas voulu le brusquer. Voilà, petit chien, nouveau environnement, tranquille. Mais enfin, c'est le jour J, je vais le voir et puis je vous le présente quoi, le petit Whisky. La petite Whisky, je crois, je sais même plus.
Je crois que je l'ai déjà dit samedi, mais j'ai oublié. On y va. Coucou. C'est bien envie de pas voyez. Oh le petit chien. Attends, on va le faire faire pipi. Regardez-moi cette boule là, cette petite boule. Oh là là. Oh oui, coucou. Elle est dure. Elle est toute petite. Elle est toute petite. Quel échou. Comment ça va, Amy? Ça va. Ça va? Contente de ton petit bébé? Ouais. Elle est trop chou, les amis. Elle est toute mignonne. On va faire pipi. Petit bébé. Donc voilà les amis, c'est la petite Whisky. Whisky qui s'écrit W-I-S-K-I-Y. Exactement. Je suis trop fort. Qu'est-ce que ça sent? Elle est trop chou. Elle est trop chou, cette tiote. Ah, fais pipi. Elle a peur des voitures. Ah ouais, ça s'entend. Enfin, ça se voit. Donc voilà, les amis, je vous l'avais promis. On l'a vu. Elle est trop chou. Bah, d'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous la trouvez physiquement sur 25. Dites-moi une note sur 25. Comment vous la trouvez physiquement, la Whisky? En commentaire, bien sûr. Whisky! Regardez-moi ce chien heureux, là. Ouais, il est heureux, le chien. Hein, Whisky, t'es belle, t'es heureuse. Elle, est toute mine. Elle a combien de mois déjà, Amy? Deux mois et demi. Ouais. Deux mois et demi. Elle est toute heureuse dans sa nouvelle famille. Je suis trop content pour elle. C'est un peu comme ma nièce. Ouais. C'est un peu comme ma nièce. Tonton Jojo avec sa nièce Whisky. Ah ouais. Attention, test de réaction. Ah ouais, c'est les pubs. Ah mince. Tire les vies aux pubs. Fais un bisou. Ah, oh, fais un bisou. Ah, ça a mordu l'oreille. Ça t'a fait peur? Ah là là, elle est trop chou.
Bon bah c'est bon, la rencontre avec la ptiote est faite. Elle est vraiment trop chou cette petite boule de poils, ça me rappelle quand Rio était bébé. C'était vraiment, vraiment adorable. Et puis voilà, dites-moi en commentaire aussi si vous avez des animaux et qu'est-ce que c'est vos animaux. C'est vrai que les chiens... moi j'ai toujours vécu avec des chiens donc j'adore ça. Mais c'est du boulot. C'est comme tout, c'est comme un enfant, faut s'en occuper. Et maintenant, je vais rentrer pour manger parce que j'ai la dalle. Tout de suite à l'appart. Ça y est, je suis rentré les amis. Surtout, n'oubliez pas de mettre plein de gros pouces bleus pour la petite Whisky. Bah ouais, hein, elle le mérite cette ptiote. Et de vous abonner aussi, si c'est pas déjà fait. Abonne-toi ici là. Ouais, super les amis. Je vous kiffe, c'est une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Parce que moi j'ai pris un kiff hein, à voir cette petite Whisky. Waouh. Fou. À découvrir un nouveau endroit à photographier. Même s'il faudrait que j'y retourne sans le chien, mais c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, à mardi prochain. Ciao.